Bon, les mecs, on n'est pas à LA, nous? On n'est pas à LA? Qu'est-ce qu'il dit? Regardez! Mais on est à LA! Même Sofiane, il est à LA! Sauf! Voilà, là, les mecs! Après 14 heures de vol! Non, 15! 15, on n'est même 15, pas fatigué! On a l'impression d'avoir passé notre vie dans les aéroports! Dans les... Soso, il a visité la douane, il a kiffé! Allez, bisous, les amis! Oh les gars, on choisit quoi comme voiture? Il y a le choix. Bah, il y a le choix, tu nous as pris une Nissan, frère. On cherche une Mustang. Le problème, c'est que je veux bien prendre un Tucson, mais je le connais. C'est un Altis Atmo et on va se faire chier sur la. Ah, ça, il nous fait déjà chier. On va chercher la Camaro. L'autre, il nous sort des bails. Ça, c'est un V6, ça? Oui, monsieur. Allez, c'est parti. Et bienvenue à LA, les amis. Alors, on est dans une belle voiture. On a une belle auto. Voyons, il y a de l'ambiance là-dedans. Ils sont contents d'être là. Fatigué, il est 16h, on est fatigué de rien du tout. Un peu de musique, Bobby, là. Pour l'activer, ça requiert une application. On a une bonne tête. Et arrivé à l'hôtel, coucou les bébés. Il va faire sa petite vidéo, papa. Coucou. Eh ben, ça va être beau sur Twitter, ça. Serrez à gauche. Tu serres à gauche? Je serre à gauche. Serrez à gauche. Serrez à gauche. Gauche. Los Angeles. Los Angeles, ma gueule. Alors les mecs, on était où? On était en train de manger. Le burger qu'on a mangé, une dinguerie. Là, je reconnais vraiment des burgers USA. Ouais, alors, je vais pas vous mentir, c'était pas des burgers, c'était du poulet, mais c'était bon quand même. Mais c'était un burger au poulet. Ouais, c'était un espèce de voilà. KFC, mais franchement, ah, une dinguerie, franchement. Un bon bail. Ouais. Regardez, c'est là. Là. Halal, les amis, halal. Là. Eh les gars, il y a la queue. Il est quelle heure? On est arrivé 15h. Ouais, là, il est quelle heure? 16h30. La queue, il y a la queue tout le temps. Non-stop. Les gens, je sais pas, ils mangent à n'importe quelle heure. Des tundos partout et tout.
Bon, ben on va aller faire les magasins. On est dans un espèce de truc que je sais même pas comment dire. Il y a plein de boutiques, mais sauf qu'il y a de la musique, c'est énorme. On se croirait presque à Disneyland. Regardez, il y en a partout. Il y en a partout. Allez, c'est Disneyland le truc, mais pour les boutiques. Petite dédicace à quelqu'un. Je suis quoi en plus, je crois que Dexter c'était à Miami. Je suis ouf moi, regarde. Regarde ça. Waouh maman. Pretty woman. Runs is gonna free. Pretty woman. It's gonna want to be. Pretty woman. Ta gueule le GPS. Regain the friends you, the volume you. Run is gonna fall under me. Et j'ai star frère. Mais ta gueule toi. Les sensations sont là. Ouais, j'avoue. C'est... Oh la vache. Ah ouais quand même. Ah ouais. Ah il faut pas avoir le vertige. Bon les gars là c'est bien. C'est la détente. C'est la détente. Mais demain. Mais demain. Place à PES 2020. Et croyez-moi. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, les amis. Allez, hey, tu vas viser quoi? Tu vas viser quoi? Le jaune? Le jaune? T'as des couilles ou pas? Tu vois tout là-dessus? Ouais. Là, il est en train de draguer. Il comprend rien, regarde, il comprend rien. Il comprend rien. Eh, tu nous Sofiane, tu nous expliqueras après les règles. Ouais, c'est. Excuse-moi, mais 5 ballons, ça va pas suffire. Ah non, il va en falloir 12. Hein. Oh là, qu'il est nul. Oh, qu'il est nul. Ah, c'est chaud, ouais. Allez! Ouais, bah moi il va pas m'en falloir 10. Putain, vas-y, for the friends, for the friends! Oh, you're very nice! Oh là, j'ai... Non, mais les ballons ils sont catastrophiques! Ouais, grave! C'est à la faute du ballon, les gars! Non, mais. C'est des ballons rouges! Un peu! Thank you! FDPS, il est trop bien. 5 minutes maintenant, vas-y. 5 minutes jusqu'à chez nous? Ouais. Ça paraît peu. Il est bien, celui-là? Est-ce que tu le conseilles à l'achat? Tu le conseilles à l'achat, David? Vas-y. Fume, ce connard. Est-ce que tu conseilles ce GPS? Mais regarde, il me suit, putain, il suit pas le truc, là. Mais il est con, quoi, regarde, on est même plus sur la carte. Non, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, j'en peux plus. Embrouille-toi avec, là, défonce-le. Mets lui un coup de tête avec tes veux. Tourner à gauche. On va où, là, David? On rentre. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, c'est pas rentré, je te confirme. Moi j'ai l'impression que le GPS il te respecte pas. Oh là. Putain, on va se crever les gars. Ah putain, on vient de bouffer un burger, je vais y gerber. Les gars, dernière journée. On arrive. Staples Center avec l'équipe. De voir casser. C'est logique. La crête. Quand je vais me marier, les gars, j'aurai la crête, la chevelure dorée. T'es déjà un crétin, la frère. Ça va pas changer grand-chose. C'est quoi, ça? Attends. Une salade de phalange. Oh, quel magicien. Mais elle est belle. Et ça va passer sur Internet. Là, tu filmes, là? Non. Est-ce que vous pouvez avouer, s'il vous plaît, que vous avez perdu contre moi hier? Est-ce que vous pouvez le dire, vraiment? Est-ce que vous pouvez dire combien j'ai fait de matchs?
combien on a fait de matchs et combien t'en as gagné. C'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est super voilà. Parce que le ratio. L'autre sur 10 matchs, il en a gagné un et c'est. Tu sais, c'est son. C'est là où vous n'êtes pas honnête. Sofiane, il peut le dire. Est-ce que oui ou non, sur la totalité, hier. Non, là, je vois que tu pars dans un mauvais truc. T'es pas dans l'honnêteté. Moi, ce que je vous propose, les gars, c'est qu'aujourd'hui, on va rejouer et on va compter les points. Allez, ça marche. Pas de soucis, mon sof. Et on fera des screens, des scores, peut-être même les gars, peut-être même des petites vidéos, des buts. Lui, il est dans l'interdit, les gars, parce que ça, c'est interdit. Dans l'interdit. Alors, et déjà que Sofiane a eu déjà des démêlés avec la justice aux États-Unis, faut peut-être pas prendre de risques, les amis. Moi, je dis ça, c'est pour vous. Hein. Après, si Sofiane ne rentre pas en France, personnellement, ça m'empêchera pas de dormir, je vais vous dire la vérité. Là, on est là, les gars. Faut aller là. Là, par le parking. Par le parking, les gars, venez. Ah, excusez-les, ils n'ont pas l'habitude. Alors regardez les gars, aux États-Unis, en fait, si vous voulez essayer de rentrer dans un parking sans payer, ah bah là, ça rigole pas. Hein. Ah bah là, mon gars. Autant te dire que le pneu passera pas. Voilà, et c'est bien aiguisé, croyez-moi. Un petit tour de ce qu'on a autour, Staples Center. Ici. Et puis, bah bien sûr, il y a des immeubles. Voilà. Il y a des youtubeurs. Eh oui, il y a bien Sofiane, sûr. Et merci à Gaming Privé pour l'osmo. Bim, petite pub. Ouais, petite merci pub. Gaming Privé. Ça va faire de l'oseille. C'est super sympa. T'attends le tien d'ailleurs. Bah, je l'attends, ouais. Je suis pas certain que je le ah, on peut pas. Faut juste que je redonne l'adresse en fait. Ah, il y a un monsieur. Il nous dit de partir là-bas. Ok. C'est très sympa les Américains. Par contre, c'est en plus que vous voulez pas. Ok. Thank you. You're welcome. On n'a pas compris les gars. Faux cul. Yes. Il a dit l'ancien c'est un faux cul. On a un accent anglais américain très prononcé. Ah yes. Very very. Oui, very very. Et là on va essayer de. S'il veut du chicken, il dit no coffee. Non, on va pas manger. Autant vous dire que Sofiane, depuis tout à l'heure, il nous dit il a faim. Il faut nourrir sa barbe. Vous avez, ouais, les gars. Vous avez pris un petit déjeuner, j'ai rien mangé. C'est là. Ah, ok. Bon, voilà l'entrée. J'espère qu'on va pas se faire recaler parce que bon, bah. Hello. Thank you. Allez, c'est parti, mec. Donc, en fait, il y a plusieurs entrées, hein, forcément. Et là, je vais devoir très certainement couper parce qu'il y a la sécurité. J'espère qu'ils vont me laisser rentrer avec le truc. Et je reprends juste après. Ah. On est passé les mecs. Allez, c'est parti. Mission du jour les gars, récupérer une manette PlayStation 4. Konami. Konami les gars. Ouais. Enfin non, pas Konami, PES. Ah oui, c'est vrai. PES. 20. Quel accent italien. Yes. T'as vu, je suis rentré. Je lui ai fait un peu de charme. Je fais hey baby, how are you? I'm French lover. You French lover? Yes. Oh my god. Oh my god. Ouais. Attends, il y a quoi? Regarde, il a faim. Vas-y. On en Ah ouais, sorry. Je te filme. Sorry. Ah ouais, là. Regardez. Je peux vous dire qu'avec ça. Est-ce que t'as vu les prix? Eh, vous tenez la journée. Ah là, vous tenez deux jours. Ah non, en fait, c'est juste des frites tu et il rajoute. Tu décèdes de diabète. Je te jure. Ah ici, c'est faut pas être diabétique. Hein. Ah ici, faut pas être diabétique, les amis. Tu peux être diabétique. Ah, le Stone Brewing. Le Stone Brewing. Rien que la tête du truc, t'as pas envie d'y aller. Oh. Oh la vache. C'est les bretzels. C'est les bretzels et je crois que c'est 17$ les deux bretzels. C'est normal, c'est ce qu'il faut les voilà, gars. C'est pas... Donc là on n'est pas sur l'entrée principale. Regardez le gars en bas à gauche, regardez, zoom un peu. Regardez les gars. Attendez. S'il y arrive, regardez. La crête. Luthor. Elle est pas mieux que la mienne. Bah si, tu rigoles, elle est plus fournie, il a des cheveux lui. Enfin je peux pas trop parler de cheveux en ce moment. Ouais, c'est clair. Les gars, ils se foutent de la gueule du monde. L'autre, il a 4 cheveux violets rouges sur la tête et il parle. Et bienvenue à le 3 2019, les amis. Et on a mis une petite veste aujourd'hui hein, parce que franchement, il fait pas si chaud. Attends, on va aller voir le merchandise. Il y a des souvenirs, les mecs. Il y a des petits badges là, 1$. Ok. Des petites uns. Et alors, à 40$ le sweat, c'est vrai qu'il est moche. Suite, il est moche.
C'est maintenant ou jamais. 20$ le petit t-shirt, je pense que je vais m'en prendre un. Très certainement celui-là. Celui-là, là, qui m'a l'air sympa. Et puis, il y a casquette Los Angeles, mais E3, elle est pas très belle. Hein. Allez, go les gars. Go chez Konami, on va vous faire voir le stand de Konami. Le stand de Konami qui est dans le Hall West. Hall West qui est dédié surtout à l'e-sport. Donc en fait, c'est plein de petits salons. On va voir, on va passer devant Cyberpunk, etc. Rebellion. Évidemment, Cyberpunk. Cyberpunk, yes. Stand Konami, regardez qui c'est qui est là. Coucou les gars, Sofiane. Sofiane et l'ancien qui sont en train de jouer, bien sûr, au nouveau PS 2019. J'ai pas le droit de vous montrer, donc on fait ça en discret. Oh les gars, Sofiane tente de rentrer chez Bandai Namco. Attention, on va voir s'il va réussir ou pas. Attention, c'est mal barré. Attention, est-ce qu'il va rentrer? Attention, 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 attention. Voilà, attention. C'est pas sûr encore. C'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Il veut aller essayer Dragon Ball Z. Il va aller essayer Dragon Ball Z. Est-ce qu'il va y arriver? Il tente l'infiltration. L'infiltration. Attention, on va voir où il en est. On va voir où il en est. On le voit, on le voit pas. Notre Soso a réussi l'infiltration. Bon, on le voit pas, mais il est là-bas. Montre-toi, montre ton crâne, beau berbère. Quel homme, tel Splinter Cell, tel Sam Fisher, tel Solid Snake, il a réussi à s'infiltrer dans les locaux de Bandai Namco. Cet homme est tout simplement incroyable. Un commentaire, monsieur l'ancien? I don't believe that. Yo les mecs, c'est MC Luthor, accompagné de son colite, qui a la colique. L'ancien, je vais vous poser un petit slam. On arrive bientôt à l'aéroport. Pourtant, il y en a un qui mange pas de porc. On va faire un arrêt à Vancouver. Il y en a un qui va se faire encore ouvert. Il ne peut pas se la fermer dès le matin. J'en connais un qui va se faire bloquer. Il va encore bégayer. Son anu va certainement prendre cher. Il va être bloqué à Vancouver. C'était MC Lulu, accompagné de son colite. C'est la sauce. Toujours sur le téléphone, celui-ci. Eh, bien sûr.